Wow, classe. C'est ça Ouais, au fait, notre... Drake, Ouais. y a Jake qui m'a envoyé un message pour dire qu'il était désolé parce que sa C'est connexion notre buguait. Ouais, Coucou bah, c'est là. pas de sa faute. Ouais. Pas de sa faute. Pretty badass. Pas de liberté. Oh, tant pis. On a déjà tenté une défense de base sur cette carte? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Quand Bonne grosse défense. l'état-major nous donnera l'ordre de défendre une base, on la défendra. Tigane. Quelqu'un a des serflex ou pas? Bah j'en ai un. Ok, essaye de ligoter Jeb pour pas qu'il nous suive. Oh putain. Ah, je vois que c'est marqué. Valise à stop. Ah oh, non, mais moi c'est fucké mes commandes de. Bah ici, connard. À toi. La vieille? Ouais. Il ouvrira l'œil et le bon. Parce que je le sens pas trop. Je sens la mission à bon, rebondissement. Négatif, chef, l'homme est dissident. Ok, laisse tomber. Il courira au milieu de la pompe. Ok, Bouche, tu nous ouvres les voies vers l'hélico. On te suit. Parti. Putain, j'aurais pu mettre des panneaux, rien n'est indiqué ici. Fous-toi à ce moment. Ah, justement, c'est pour ça que tu ouvres le chemin, Emma. Hein. Je suis démerde. On peut carrément faire une guerre de 14-18 ici, quoi. Ah, j'avoue que ce serait. Ok, oui. Rouge, montez à l'intérieur. Avec des mortiers qui nous tireraient dessus. Ah oui. Et du gaz. Gaz moutarde. So much fun. Lol. Vas-y la vieille. Bon, vas-y, c'est parfait, on sera en binôme. Rouge à l'intérieur. Gao les gars, grenade munitions en plus hein, dans l'hélicoptère. Et ben... Rouge, vous êtes à combien de poids? 25. Allez, on y va. Ah, vous pouvez en prendre quelques-unes si jamais vous avez un peu de place, ça serait pas mal. On ira la voir. Allez, on met les bouchons. Ah, j'ai pris la mauvaise place. T'as combien de munitions la vieille? Deux cartes, deux bandes plus une. J'ai trois bandes en ce moment. Donc tu peux y aller à mon avis. Ah mais vous êtes frère en fait. C'est des champs de merde. Préparez-vous à rien voir.
Ok, rouge, pour rappel, on surveille sud-est, ok? Ah, je la vois même pas la clôture là. Ah, c'est une petite clôture en bois. Hein. Ah, ouais, c'est bon, hein, ça passe. Ça. Et pour les groupes, tout le monde a prise de couvert sur la partie est. Puis on sort. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Mouvement en tir de forêt sur la partie sur le secteur vers la chute. Go! Tu l'as. Alors laisse passer rouge, rouge. Putain, y'a déjà des villageois qui nous courent dessus quoi. J'ai failli en buter un, j'ai flippé. Non, j'entends rien. Je disais, j'ai failli en buter un, j'ai flippé. Ouais, c'est bon, c'est golf. Bon. Rouge. Écoute. Ok, on prend un cap, donc 160. On suit la lisière jusqu'à tomber sur une sorte de petit chemin de terre. C'est pris. Bien pris, on fait le mouvement. Ok les gars, Sigan, tu veux faire la marche? Je vais être au milieu et la vieille derrière, ok? Tu conviens au 160, lisière de forêt, c'est ça hein? C'est ça, exact. Vas-y, on te suit là. On y va. Le parti. Gad, tu vas pouvoir baisser ton arme pour l'instant, je pense. J'ai mon son qui est en train de chier là. J'entends plus rien. Ouais, passe devant moi, s'il te plaît, c'est parfait là. Regardez le cap. Pour le repos. Ouais, copier.
gauche lors de la pause. Putain mais... Allez, ok. Pas que là à la gauche. Ah c'est chiant. Et l'homme de tête, l'homme de tête, il est là, ouvre ta carte. Oui. Regarde. Ok, on est ici. D'accord. Donc le but, toujours le même cap. On garde un cap 160 ou on pique vers la 140 pour retomber juste à ce niveau là. Non non 160. Ouais 160 c'est très bien. Ok. Oh, on est où Dranak? On est là? Non, on est ici. D'accord, ok. Ouais 140. Ah oui 140, ouais. Ouais non t'as raison, 140. 140. Oui parce que on tombera par là quoi. Ouais donc on fait un peu écarté en suivant la lisière. C'est exact. Ça va. Eh j'ai pour tous les groupes c'est bon, on repart. C'est bon pour vous Rouge? Ouais c'est bon. Ok c'est bon, ok pour la vie. Ok bah vas-y c'est gagné. Rouge reparti. Putain j'ai mal, j'aurais pas dû boire autant hier je crois. Mon cerveau il est à peu près à 30 fps de ses capacités. Ok, t'as compris, Medic, en cas de pépin, tu me sauves moi en premier, ok? Ah, c'est bon, j'essaie de détendre l'atmosphère là. C'est tendu à mort. Sur la gauche, parfait. Et une bonne visibilité sur, dans la profondeur de la forêt, sur les 12 heures, on établit une reconnaissance. Ok à tous les groupes, sur le 120, nous avons la petite colline Ico. Donc le but, nous allons contourner la colline Ico qui est sur le 120 par le sud. Donc à toutes les équipes, si tout le monde est bon, on repart. Le Formation accroupie. Ah ouais, quand t'es prêt, avec ton avis, t'es prêt. Ouais. Ok, Sigan, t'es prêt ou pas? Formation rallongée. Ok. Allez, c'est parti. La vieille, tu nous suis. Rouge parti. C'est parti, on est prêt. Hein.
Je vais vite me fatiguer par contre, moi, accroupi tout le temps comme ça. Alors, moi, je vais en stop, on fait une pause. Vas-y, on va prendre Echo en visu. Sur des lignes d'arbres, tu vois, il y a un arbre, il est super zoom de tout ça. Ouais, genre juste derrière, c'est pas mal. Hein ? Juste derrière là. Pas derrière. Il vaut mieux des lignes en fait, comme ça. On peut être dans la largeur et pas dans la profondeur. Tiens, c'est un bel endroit quand même. Ouais. Okay. Je mets un homme qui couvre le secteur sud-sud-ouest. Ok, merci. Ok, Sigan, c'est bon pour moi, on va pouvoir repartir. Ok, ouvre vos cartes, nous sommes là. Bonjour Mancap, je vous dirai de quand vous arrêtez. On peut même faire Est. Là on prend Est. Ouais. Allez, ouais, un bon Est sans quoi. Exact. Ça va. Ok, c'est bien, c'est pas plus. Ok, bon on y va là. Rouge en mouvement. Ça va? Ouais c'est bon. Actuellement à 100 mètres au sud de Ico. Oh putain, la montée elle m'a tué là. Défoncer la montée. Ah, pareil. Hein. À moins de petite pente, ça te flingue. C'est accroupi. Nous sommes sur la ligne de la phase 2. Donc, forteresse se trouve sur le nord-est. Nous allons progresser en ligne. Arriver au pied de la colline, on progressera en marchant, peur de ne pas se fatiguer. J'espère qu'on va pas se fatiguer en marchant. Accroupi ici. Alors je mettrai debout. Le but c'est d'arriver là-bas. En ligne. Donc Sigan à la droite, la vieille à gauche, moi au milieu. C'est parti, on avance. Mais sur l'aile ou? Je mets sur l'aile. C'est par là qu'il est parti, toi. Il est parti debout, tu peux te mettre debout. Ouais, ouais. J'espère que tu restes au centre de la formation. Ok, sur ma position. Allez, on grimpe en marchant tranquillement. Debout, oui. Lévier sur la gauche, sur la droite, on a. On peut pas monter sur la gauche là. Pas sur 50 mètres avant la. Avant prise de visuel sur le. Visu. La forteresse. Visu sur les murs. Se forme.
progresse. En direction de la forteresse, on prend les premiers arbres. C'est parti. Quelle droite? Dans notre coin devant là. Ouais. Continue le mouvement, jusqu'à toucher au mur. Là je vais me mettre devant toi, accroupi. Ok. Putain d'arbre. Le couverture flanc gauche RS. Noté, maintenez. Rouge. Écoute. Tu essayes de trouver une ouverture de ton côté. Pour mon flanc gauche, je vais prendre l'avant. En cours. Ouais, ok, je suis sur l'épaule gauche. Putain, les murs ils bougent. À droite, que du mur. Les murs bougent, au secours. Ok, les murs ils bougent. La rotation bleu, rejoignez. Allez, on part vers l'intérieur. Go. Bleu, bleu, bleu. Elle est où l'ouverture là? On va pouvoir se remettre à croupir. Vas-y, passe devant moi, c'est parfait, je vais garder l'arrière. Et... je me fais baiser comme ça. Oula, ça glisse, on est même. T'es sûr que ça passe pas, hein? Attention, découvert à droite, les gars. C'est moi qui surveille, mais je disais pour Drana. Ça sent la merde, ça sent le traquenard. Pas normal. Maintenez bleu. Entendu une voix dans le derrière les murs. Bouche fixée, attention, la vieille nous a dit de nous arrêter. Bunker juste en face de la vieille. C'est parfait, j'ai entendu une voix direction nord-ouest, je sais pas, 30-50 mètres. Bunker en 310, Dranak. Il y a moyen de percer? Négatif. La vieille, il y a moyen de passer ou pas? S'il y a quelqu'un à l'intérieur... Renadé. Tu penses que... Non mais je te dirais, est-ce que c'est enjambable? Ouais, là, la hauteur, c'est pas enjambable, j'ai l'impression qu'on peut pas continuer. Hein. On attend les ordres, Dranak. On a un bunker juste sur la gauche. Avec pas de visu. Ok, est-ce qu'il y a moyen de pénétrer à l'intérieur? On est dans la gueule. Oui. Bah. On devrait pouvoir enjamber le mur, mais il faut tester pour ça. Pas.
entendu à coup? Ouais, ouais, j'ai entendu. Ah! Non, j'arrive, j'avais entendu autre chose. Hein. Ok. Par ici, je suis en bas. Où ça? Là, continuez jusqu'à ce que vous allez me voir. Il y a une légère petite pente. Là. Oh la vache. Allez, allez. Rejoignez-moi. Et là, je saute là. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, continue vers moi, tranquille. Voilà. Toi, je vais aller le voir. Okay. Allez-y. Ça par là. Ah, il reste en haut. Ouais, pour exact. Trouver. D'accord, ok. Bon, ouais, ok. La vieille, décroche. La human. Ouais, ouais, tout le monde est passé, vas-y. Vas-y, descends là, ouais. Hop, c'est bon. Pour l'arrière, le temps que tout le monde soit passé. Rouge. Ouais, on a un médic. Oui. Elma, tu m'entends? Oui. Une fois que ton équipe est au complet, on retourne le contournement par l'ouest pour trouver une entrée. Oula, bien reçu, oula. Arnac. Putain. J'attends la vieille. Je suis là. C'est où là? Ouais, j'ai eu peur. La vieille, vieille ce héros. Ah, c'est même pas cassé une jambe. Bah ça c'était de l'imprévu ça. C'était circassien. Rien n'est prévu dans la guerre. Allez bleu, collez, suis. Allez, on est parti. Azimut, la vieille. Sur l'avant. 270, mais j'ai pas de... J'ai reçu. C'est très 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 près. S'il veut traiter, parce que sinon il peut balancer des greux et... C'est vrai. Je pourrais le contourner sur la droite. Bleu. Je vais le coller au mur. Oula. Ouais. Bleu, essaye de contourner par la droite, au niveau des arbres, sur le nord. Ok, je pars en avant. Ok, ok. Non mais c'est pour bleu, t'inquiète. Tranquille, tranquille. Ouais. Alors, écho tir 280, je dirais. Rouge, fixé. Un homme pour rouge qui me surveille les 6h. Je prends. Ok, vas-y, Sigan, prends. Pas l'air si loin. Oh, c'est sur ton avant gauche. Ouais. Là. Je contourne, je décale droite, couché. Et là-haut, gaffe. Mur, ouais. Un mec... Non, mais je le surveille. C'est sur toi, je crois, le tir. Ouais. Je suis sur l'arbre là. Je le rejoins en passant par en dessous. Je vais faire un tir de couverture. Hein. La vieille effectue un tir de couverture. Parfait. Un coup. Ouais. Je descends. Je remonte vers toi. Un homme traité dans bunker droit devant. Vous confirmez que les origines du tir vont être par là? Là. De bleu, on va balancer une frag. Mettez-vous à couvert, frag, frag, frag. Putain. Ça va? Ouais, c'est bon, c'est bon. T'as compris ce qu'il a dit ou pas? Non. Bleu, quelles sont les heures? Donc continue le contournement. Ouais, ici. Ok. Regroupé sur rouge. C'est bon. Vas-y. Le bleu, oui, on arrive.
rouge, continue, faut trouver l'entrée toujours. Ok, c'est reparti, on refait comme tout à l'heure, ok les gars. Vas-y, on va rentrer dans cette merde. Je te colle. Ouais, ouais. Oui. Attention au mur derrière. Ah, sinon on va brécher. Hein. Ah là, il y a l'air d'avoir une faille dans le mur s'il faut brécher. Ouais. T'as point faible. Ouais, c'est le temple, en tout cas, de Ganon Jones, quoi. Parfait, tu reprends devant moi. Ok. Ouais, je vois le bunk. Et pour info, on est au nord de la forteresse. Faites attention aux hauteurs au-dessus des murets, du murail. Je veux des cas avec toi. Non, je sais pas si c'est un. Attention, contact 20 mètres. Contact traité. Ça parle. Ouais, audio. C'est à l'intérieur. Ouais, c'est à l'intérieur. Un peu. On barre les grenades s'il faut. N'hésitez pas à les grenades, hein, les gars. Avance à coup. Ok. Oh, ça va en fait, c'est. Ah putain, c'est là, d'accord. D'accord, le. Vous établissez sur l'entrée et vous couvrez l'extérieur. Tiens, ça marche. Et... Allez, on y va doucement, les gars, tranquille. Va falloir ramper. Rente, c'est parfait. C'est ça. Et la consigne, on suit un couloir en longueur. Si on a un angle, on s'arrête. Enfin, on s'arrêtera jusqu'à pour l'ouverture longue. Attention, Elma. Attends, je ressors. Ah ouais. Vas-y, passe en plus. On peut pas être à deux. Je sais pas que ça ressemblait à ça, ce truc, cette ruine. Oh, c'est petit. Ouais. Claustro. On est dans le cul une thaïlandaise, lol. J'ai un peu d'ambiance, tu vois. Genre, des bonnes blagues racistes. Non, on n'est pas quelque part. Vietnam, Thaïlande. Bon, c'est nul. Qui est devant. Pour un cul, c'est plutôt large. Ok, on a une entrée à gauche. Un tunnel qui continue sur la gauche. On essaie d'identifier. Pour un couloir, c'est plutôt étroit. D'évaluer la situation. On va placer une mine à pression à l'entrée et puis se casser. On est carrément sur l'ouest du château, du truc là. Oh putain, on a tout contourné. Chaud. Chaud. Chocolat.
qu'on est là. Ouais, on est là. Ouais, on est où, t'as dit? Quelque part par là. Ouais, dans ces eaux-là. Je les vois plus. Où ils sont? Le bleu, on a perdu le visu avec vous, on reste sur l'extérieur. Bleu, maintenez. Affirme. Okay, vous allez nous rejoindre, décrocher de l'ouverture, vous rentrez dans le tunnel, vous prenez la première à gauche. Ok, allez. Vas-y, c'est parfait. C'est là, première à gauche. Voilà, ils sont là-bas au fond. Trace de sang, y'a pas l'un de vous qui est blessé par hasard. C'est quoi ce temple de merde? C'est où on arrive? Ok, bleu stabilisé. On reste là? Ouais. Choqué. Tu l'as battu ou pas la vieille? Comment ça se présente là-haut? Banak? Oui. Tu peux avancer un peu, Dranak, tu seras encore à couvert. Mais pour surveiller vers du sud-ouest. Parfait, là en échange, t'auras un meilleur angle. Bleu. Ouais, c'est juste. Ouais. Et vous allez devoir prendre un positionner en hauteur pour un visu sur sud-ouest. Ok, on y va. Il faut ramper ici. Ok. Ok, sur ma position, couverture sud-sud-ouest pour soulager rouge. Il a eu tout à l'heure la vieille ou pas? Non, oui, il est engagé des sud-sud-ouest. Et toi sur. Et je vais mettre derrière l'arbre là. Nickel. Elma? Je vais tirer à gauche. Ouais. Elma? Elma? Écoute, on a une caisse de munitions ici, il faudrait que tu me la pièges. Bien. Je suis à vous, les gars. Si tu me verras, c'est ça. Fixé pour l'instant. Elle monte là où il y a Dranak, t'auras un continue à faire avancer mes hommes. En position et plus en sécurité. Comme tu veux. Et là, je suis. Et je vois des tentes là-bas. Claqueur, c'est dispositif de mise à feu, c'est ça? Ouais. Super. Ok, tu rejoins tes hommes et tu vas faire un contournement par la gauche en suivant le long du mur. Ça me semble beaucoup plus safe. Bien reçu, j'y vais. Rouge, je recolle.
Gana trouvé un peu de sens. On a des nouvelles de Golf ? Non, aucune. Ça a l'air un peu short. Non, c'est bouché. On a un village de tentes à droite devant. Ça a l'air assez large. Ok, c'est noté. Je pense qu'on peut pas beaucoup les aider là. C'est tellement serré ici. Non, je sais, faut juste être patient. Je regarde un petit peu sur les extérieurs histoire qu'on ait pas de surprise. Mais... Ouais, bonne idée. On est quoi, ou... Parce qu'après, il faudra sortir d'ici. On est d'accord, il y a qu'une entrée. On n'a pas regardé sur la façade ouest. De toute façon, on n'en est pas encore là. Et le premier tunnel là où on a pris à gauche, où il y avait quoi en face? Je pense qu'en fait ça menait là où il y a les campements vers l'ouest en fait. Ok. Casse à monter, plus là où ils sont les alliés en fait. J'ai l'impression. Là c'est casse-gueule. Le truc. La vieille qui va rester là, d'accord. Avec Sigan, je vais couper et découper le cache. Ah, tout à l'heure, je croyais que les murs bougeaient, c'était mon cerveau qui bougeait, je crois. Ouais, en fait c'est avec le... les arbres qui bougent, on a l'impression. Ouais. Disons que quand t'as toute la terre qui bouge sauf un mur, t'as tendance à avoir l'impression que c'est le mur qui bouge. C'est marrant comme notre cerveau se laisse berner facilement quand même sur ce genre de choses, c'est... Ouais, le mien se laisse berner par plein de trucs, tu sais. Oui, c'est vrai. Non mais ça, tu vois, c'est... Tout de suite, si tu réfléchis, tu peux comprendre que c'est pas... Tu vois, que ça bouge pas. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est un effet d'optique. Et je regardais, je voyais le mur bouger vraiment. Je me disais, putain, mais non, c'est pas possible. Arrête de penser ça. Ouais, mais... Ouais. Putain, ils doivent ramener du matos pour la fin. Entendu une voix là? Ils ont l'air d'être dans le rocher là. Ah, c'est, je vois bouger là-bas. Fais gaffe, il y a un pain d'explosif à tes pieds. Je suis pas super confiant de rester là d'ailleurs, perso, mais bon. Bon, c'est contraire à tous les standards de sécurité. Tu peux imaginer sur les explosifs quoi. C'est chaud de mettre des explosifs alors que t'as pas encore sécurisé une zone. Si tu veux te replier, t'es obligé de te replier là où t'as mis des explosifs. Le repli n'est pas une option pour Dranak. Pas de délire. Le situation. Ah ouais, on est toujours là où vous aviez miné les caisses. On a rien à signaler. Ok. Ok, pour bleu, c'est que ça
un petit peu long pour vous. Vous me faites un petit tour de périmètre de là où vous êtes sur les remparts pour contrôler l'extérieur, donc du nord jusqu'au sud, ok? Un quart aussi. Tu prends d'où on vient, je vais de l'autre côté. Ok. J'ai l'air d'être une belle connerie. Fais gaffe de pas te péter la gueule. Ouais. Il y a une rampe si jamais pour descendre. Ah, ça me rappellera des vieux souvenirs en Arctique. Ouais, j'ai rien du tout. Bleu RS. Putain, on va un petit peu trop vite ici. Arrive. Médic, médic, on a besoin de toi, tu rentres dans le tunnel, c'est le troisième à gauche, la quatrième à droite, tu fais demi-tour, tu sautes sur un pied, ensuite c'est la cinquième à gauche, on est là. Mais surtout, prends pas la deuxième à gauche, hein. Ouais, et évite les pieux. Évite les plaques de pression, le code sur les plaques c'est 4, 5, 6, sinon il y a un gros boulet qui te roule dessus. Ok, trop moyen de faire un truc comme ça en plus. Ouais, bleu. Ok, décrochez votre position, là où il y a les tentes, il y a une entrée, je vous attends. Ok, allez, on y va. Attention, il y a une grosse chute, enfin une petite chute, je veux dire. T'as un moyen de monter, hein, la vieille plus traditionnelle. Ah ouais. Ok, tu lances un RPG tranquillou ici. Oh putain. Je suis le chef, il est parti là-bas. Ouais. Chef. Oui. Ah, mais peut-être par l'intérieur ou par autre. Établissez-vous ici. Ça me paraissait un peu bizarre. Bon, je crois qu'on a tout visité. Hein. Bah, il me semble aussi, ouais. Ok. On a pas oublié un boyau. On va revenir sur nos pas, donc on va revenir sur l'entrée principale et on va satcher. Tu vas me poser. D'ailleurs, tu vas me poser une charge ici parce que on peut pénétrer par là. Ah non, quoique non. Il y a un muret. Ouais, t'as deux charges de toute façon. Il me reste deux sacoches. Ouais, ok. On retourne à l'entrée principale pour la piéger. Ok, t'es parti. Ok, okay rouge. Bah, ils sont déjà partis.
Par contre. Rouge. Écoute. On retourne à l'entrée principale, vous êtes où? Confirmé. On explore encore. Ok, donc l'entrée principale se trouve sur le nord, on peut couper directement par là. Hein. Okay. Ouais, vous pouvez y aller. Le passage est de l'autre côté. Hein. Ah, ouais. C'était pas mal hein, ce que vous faisiez. Je sais pas, enfin. C'est de l'autre côté en fait. Ouais, ouais de l'autre côté. Ouais. Ouais, je vais sur le poil là moi. Par là. Ouais, ok. Ça me rappelle un jeu auquel je jouais quand j'étais plus petit, Tomb Raider, tu connais? Ouais, mais j'y ai pas joué. C'est pour ça que je me suis engagé dans l'armée vietnamienne. T'es l'armée thaïlandaise, mais ouais. Okay. Ouais, non, mais j'ai commencé au Vietnam, moi. Ah oui. Bah, après, qu'est-ce qui t'a amené à changer alors? Bah, écoute, j'ai rencontré une petite femme thaïlandaise. Ouais, ouais, puis les thaïlandaises sont beaucoup mieux. On s'est mariés, j'ai pris la nationalité. Je me suis dit quitte à ramper dans des conduits étroits. Non. Ok, on s'est posé sur l'extérieur. Bon. Rouge, tu me prendras le. Autant que ce soit dans ceux d'enfants. Sud-ouest. Bleu, vous me prenez secteur nord-ouest. Ok. Elma, tu me poses ta charge à l'entrée. Ok, sous l'arche. Exact. Ok, pareil. J'attends que bleu soit passé. C'est bon. On est bon. Enlève-toi s'il te plaît. Ok. Enlève-toi. Ah, on m'enlève, enlève-moi. Ouais. Je m'enlève. Pendant que c'est pas ce clavier qui passe en premier en fait. Bah, là, je vais pas s'occuper, ouais, mais sinon, je vais repasser devant. Okay, vas-y, accroupis-toi. On va continuer à allonger. Laisse ton arme. D'accord, okay. Ton arme. Le reste du temple n'a pas été spoté. Bon, merci. T'as peint mon portrait, c'est ça? Je sens le mec qui a peint mon portrait. On va tout simplement entrer à l'ouest et on reprend le trajet inverse pour Romeo. D'accord. Oui. Vu qu'on continue à manger, qu'est-ce qu'on fait pas qu'on continue là? Puis le long du mur. Oui, oui. Oui, on est toujours en formation de combat. On continue à manger. C'est ça. Donc Alma, on va continuer, on connaît pas ce qu'il y a sur la façade ouest. Mm-hmm. On continue à longer, le but c'est de vous ouvrir sur le point 1, ici. Ok, bien reçu. Allez. Ok, c'est parti. Position d'avance. Tu continues d'ouvrir la vieille ou j'y vais? Quelle heure? Ok. Ouais. On va se couvrir. Collé. Ça marche. Ah oui, non. On va trouver une autre entrée. Tac tac. Pas la fermeture, c'est un cul-sac. Non, en fait, c'est un cul-sac. Bon, ça. Techniquement, c'est une entrée quand même. Ouais, mais ça mêle sur rien. Attends. Peut-être un passage secret au fond. Un levier caché. Pour trouver le crâne de cristal. Exactement. On l'a fait. Reste avec Sigan, elle va prendre plus. Halt. Ok, rouge. Cap sud-ouest, on rejoint la position ICO. C'est trop simple, c'est bizarre. Ouais. Ouais, c'est peut-être Golf qui a mangé le plus.
Allez, on y va. À la gauche. On regarde un axe sud-ouest. Allez groupe, on y va. Ok. Ouais, j'arrive. On s'établit sur 100 mètres. Couverture panoramique. On se mettra sur la gauche, quoi. Parfait. Elle meurt. Ouais. Allez, fais tout péter. J'arrive, j'arrive. Yeah. Allez, c'est parti. Okay. Bon, on continue les gars. Ah non, 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 faut faire sauter. Ah bon, déjà des chats. C'est pas ça que j'ai déjà péter. J'avais pas entendu. Ok, désolé. Attention. Attention où je les mets. Ça bouge. Ok, j'arrive. Là.
orages, il pleut pas, mais c'est pire que s'il pleuvait. Ah. Je fais gifler par une feuille de bananier. Quelque chose sur la LZ, pas possible. J'espère qu'ils ont eu le temps de construire la FOB. Bonjour, on va s'arrêter en lisière pour observer. Le pied. Oh, les belles herbes. Si pas de nouvelles, si rapport fait au bout de 30 secondes et rien du tout, on contourne par le nord. Pour atteindre LZ Romeo. Le soldat allié en vue avec un poste médical avancé sur le tronçon. Ok, soldat allié patrouillant, poste médical avancé posé en tronçon. Ok, bon bah on coupe à travers le champ et puis go LZ Romeo. On va se foutre au niveau du truc médical, je vais appeler extraction. Ok. Ah, une petite bière après. Tronçon multi-tronçon. Ils ont construit Rome en un jour là. Putain, c'est les rotations des bico qu'on a. Mais ça. Ah, c'est bien ça. Hein. C'est bien, ils ont bossé, ils ont pas grandi. Ouais, pas comme nous. Ici. Ah, il est pas pris en place, c'est bon, mec. Non, mais honnêtement, la vieille, tu vois un camp quelque part hein? Tu vois un camp quelque part, honnêtement? Un camp? Bah, oui. À part des containers, mon gars. C'est déjà bien, mec. Hein. Ouais, mais niveau défense. Ouais, je m'attendais déjà quand même à quelques sacs de sable. Ah ouais, mais tu crois que ça se fait comment, toi? Il fallait mettre les sacs de sable. En du temps, hein. Regarde, faut faire des prisonniers pour qu'ils puissent travailler. Exactement, ce que j'allais dire. Allez les immigrés. Ça devient lourd. Ouais, c'est... Excusez-moi. Il va falloir collaborer. C'est vrai que là ça a l'air un peu plutôt en exécution quand même le bordel hein. Non. Ils sont en joue, c'est tout. Je pense qu'ils vont les interroger. T'as vu ce violet, chef? Ah oui. On m'avait caché que vous aviez des fumigènes de cette couleur. Ah, si tu savais. J'ai encore plein de secrets.
Bon, du coup, pour rentrer, taxi ou Uber? Qu'est-ce qu'elle est belle cette map, oh la vache. L'endroit est joli, ouais. Mais si c'est pour y crever, c'est pas la peine. Ouais, quoi le taxi là? Quelqu'un a ramené un jeu de cartes? J'arrive. Ah. Avec Mystery, on travaille sur un jeu de cartes. C'est qui Mystery? C'est qui Mystery? Ouais, c'est qui? Un mec de Gop. Je connais tout le monde, c'est bizarre. Je suis sûr que c'est encore un pote imaginaire à toi. Ah oui, t'as passé là, je crois. Bonnes vacances les mecs. Chef, on peut pas interroger une de spéciales de Mina? Vous connaissez des interrogatoires? C'est le lacet dans la porte. C'est ça. On retourne à Bercail. Bien joué tout le monde. C'est beau. Je m'attendais à la guerre du Vietnam là et c'est tranquille, heureusement. Ouais, bah on je peux rigoler. Hein. Je préfère ça que d'avoir été dans le golf. Hein. C'est bien passé. Je voulais dire qu'on a entendu. Gros. C'était peut-être de la sommation. Ça risque d'être un peu plus tendu pendant la phase 2. C'est sûr.